Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Professionnels, financiers, on va les zoomer au niveau de la situation professionnelle financière d'une personne et on va voir tout ce que je peux partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous vous portez tous et tous très très bien, que vous avez passé un merveilleux week-end et on se retrouve aujourd'hui. Alors, je prends ce magnifique oracle. Non, je vais commencer par celui-ci, le précieux conseil, message, encouragement que vous avez à recevoir aujourd'hui dans votre professionnel et on va voir. Et après donc je partage donc un message carte avec ce magnifique oracle et après ça sera mon écrit, hein, comme toujours, mon écrit, voilà. C'est du général, vous faites bien preuve de discernement, tous les messages ne pourront pas vous parler, c'est normal. Alors aujourd'hui on vous parle d'indépendance. Donc là peut-être vous allez retrouver davantage de l'indépendance ou alors retrouver votre indépendance hein, financière professionnelle. Je vois que vous allez avoir aussi des idées novatrices. Et vous allez aussi trouver, vous allez avoir une aide à trouver votre chemin de vie. Si vous êtes en pleine recherche de votre chemin de vie, vous allez avoir une aide à trouver votre chemin de vie. Allez, je prends ce magnifique oracle et on y va. C'est parti, on y va. Alors, professionnel financier. Alors ici, il y a quelque chose, un retour d'abondance. Oui, regardez votre situation financière, professionnelle. Ouh là là, ça se transforme. Il y a une grosse transformation et c'est pas une petite transformation, hein. Vous pouvez être un homme aux cheveux clairs si vous avez les cheveux foncés, ça peut vous parler aussi. C'est du général, donc vous pouvez, si le message vous parle, c'est pour vous aussi. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est du général, hein. Faites bien preuve de discernement, tous les messages ne pourront pas vous parler. Donc là, il y a un retour à une. À une abondance, à une très belle situation financière professionnelle. Suite à des choses, à de l'infertilité sur votre situation financière professionnelle. Alors, c'est soit. En tout cas, il y a une très très grosse transformation. Je vois que vous êtes indépendant, si vous avez un souhait, un désir, soit de rester dans cette indépendance ou de l'être encore plus davantage. Mais en tout cas, il y a une transformation de cette situation. Et si vous n'êtes pas encore indépendant sur un projet, mais que vous pensez déjà à un projet que vous souhaitez encore peut-être une fois, une nouvelle fois, ou pour la première fois en fait être indépendant financier professionnel, je vois que ça va être une totale réussite. Y a un cadeau qui arrive sur votre situation. Il y a des choses qui sont bloquées, peut-être l'administratif. Il y a de l'administratif qui est stérile. Vous n'arrivez pas à faire ce dont vous désirez. Ou alors vous n'arrivez pas à, parce que vous cherchez peut-être sur une aide, peut-être une aide financière pour pouvoir mettre en place de l'administratif professionnel lié à votre professionnel. En tout cas, vous êtes extrêmement protégé, votre entreprise, auto-entreprise, financièrement, professionnellement, personnellement, vous êtes protégé. Peut-être que par le passé, vous avez manqué de protection. Mais là, il y a une renaissance avec une belle protection. Vous allez vous libérer. Je vois une libération. Il y a un cadeau qui arrive à vous pour vous libérer d'un blocage aussi. Peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à signer. Ça peut être dans une vente. Peut-être la vente d'un magasin, la vente d'un fonds de commerce. Ça peut être. Tout type, mais en tout cas, il y a quelque chose. Je vois que vous n'arrivez pas à signer, ou alors c'est quelque chose que vous voulez mettre en justice lié à votre professionnel. Et j'ai quelque chose. Il y a quelque chose qui se libère. Il y a une bonne nouvelle. Ça peut être une aide, ouais, une aide financière. Oui, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a un feu de passion qui revient aussi. Il y a une bonne nouvelle, ça va vous faire du bien. Là, vous pouvez être extrêmement bloqué, tracassé sur cette situation.
Je vois, vous avez eu beaucoup de pertes. Et là, il y a un retour d'équilibre sur ces pertes. Là, vous êtes totalement bloqué, peut-être depuis plusieurs cycles lunaires. Depuis la pleine lune, peut-être encore plus. Vous êtes bloqué sur une route tortueuse. Il y a un grand-père dans les cieux, un tonton, un ami, quelqu'un de plus âgé que vous pour moi, qui est auprès de vous. Je vois des demandes, des prières, des souhaits que vous avez faits liés à un blocage professionnel. Vous avez émis des souhaits, des pensées, voyez? Selon vos croyances, il y a une rentrée financière qui arrive à vous, une solution financière, un appui, quelque chose de financier qui arrive. Je vois que vous allez prendre une décision qui va vous faire. Il y a une décision qui va être prise, qui va vous faire du bien, vous faire chaud au cœur. Vous êtes bloqué dans l'administratif. Et là, je vois que tout repart de plus belle, en fait. Il y a de l'administratif qui est bloqué. Je vois un déblocage aussi de situation. Et peut-être d'une aide, d'un appui financier, d'une aide, quelque chose financier qui arrive à vous pour encore plus accélérer les choses. D'accord? Pour moi, vous allez pas. Tout va se débloquer pour pas que vous restiez végé, que ça végète plus que ça, en fait. Alors. Donc, le message que je peux partager avec vous aujourd'hui. Je vois une aide financière qui arrive. Alors, je vois une aide financière qui arrive pour vous apporter la tranquillité. Pour que vous ayez de la tranquillité au niveau de votre corps, votre âme et votre esprit. Je vois une réparation professionnelle financière qui est en cours pour vous. On parle d'une récolte à partir peut-être d'aujourd'hui, cette semaine, je peux avoir une récolte, une réparation. Pour que vous alliez au bout, en fait. Au bout, en avant. Continuez. Vous êtes en train de récolter. Il y a de la récolte, de la réparation, une réussite. Et aussi, vous pouvez. Je vois peut-être aussi une récolte, une réparation financière, professionnelle, qui peut arriver à vous, qui peut arriver par vous, par votre biais, pour votre âme sœur. Ça peut être flamme jumelle aussi. Je vois, vous êtes protégé. D'accord? Ça veut dire que peut-être dans votre récolte, il peut y avoir une double récolte. La récolte de votre âme sœur flamme jumelle. Ça peut être après des discussions. Ça peut être une double récolte, une double réparation et vous êtes extrêmement protégé sur tout cela. Voilà tout ce que je pouvais partager avec vous. C'est un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et que vous désirez le faire. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc., etc. À bientôt!